Ok, aujourd'hui on va voir comment faire la vaisselle, comment s'occuper de tout ce bordel et de ce truc qui tournait vert, ça vient de Tchernobyl. Mettre ça. Fuck. Bien, alors premièrement, il vous faut une éponge, pas du tout celle-là. Il nous faut cette éponge ici, ça va être nickel. Premièrement, les gants. C'est pas mal parce que je t'explique. Ce truc là, oh, ça fait des bulles. Là ça va t'attaquer les mains et du coup tu mets ça et du coup ça t'attaque pas les mains. Méchant. Alors j'allais bouiller mais avant tout il y a une technique qu'on peut utiliser. Alors ça marche pas sous. Tu fais putain de vaisselle de merde, tu te fais sauf je te baise. Ok, ça fait rien du tout. Éponge en main, il sourit l'éponge comme une vieille merde. Attraper le pec qui fait des bulles. Il fait pas de bulles. Il va se faire enculer. Voilà, ça c'est une technique de pro. Tu vois, je vais vous apprendre des trucs de pro parce qu'on fait de la qualité. Des vidéos qualité. Ok, maintenant on peut admirer la tour. Qu'est-ce que la tour? La tour, c'est l'empilement de tout ce que tu viens de faire la vaisselle. Dans l'évier, tu t'en bats les couilles. Clairement, tu t'en bats les couilles. Tu le laisses dégueulasse parce que de toute façon, je veux dire. De toute façon, tu vas y mettre des trucs sales. Et puis, genre, tu bois pas dedans quand même. Donc, la tour, on revient à notre tour parce que c'est ce qui nous importe quand même, hein, la tour. La tour, tu empiles tout ce que toi. Voilà, tu vois, c'est un truc, genre, c'est pas stable. Aussi stable que les tours jumelles en 11 septembre. Pour te dire quoi. Bien, le plan de travail. Donc, tu vois, mon plan de travail ici, il est dégueulasse. C'est pour ça que j'ai 3 éponges. Parce que cette éponge là, elle va nous servir à ça. Tu essuies. Tu sais essuyer quelque chose? Oui, tu fous de l'eau, même ça là. Tu fous juste de l'eau. De l'eau, c'est bien l'eau. Voilà. Là, c'est propre, tu vois. Là, tu vois, ça. T'essuies ça avec absolument ce que tu trouves. C'est-à-dire, tu peux faire ça avec ton jean, par exemple. C'est un short, ferme ta gueule. Voilà, la prochaine fois, on s'attaque au sol. Il est sacrément dégueulasse.